Développer des applications numériques innovantes à partir de données ouvertes au public et en lien avec Marseille-Provence 2013, tel est tout l'enjeu des Open Data Awards. Un concours qui vise également à mettre en avant le savoir-faire et la créativité des entreprises de la région dans le domaine des TIC. Les enjeux auxquels répond l'ouverture des données sont fondamentaux. Conduite de l'action publique, attractivité, innovation et nouveaux services. Pour cette première édition, 17 entreprises ont participé à ce challenge organisé par la CCI Marseille-Provence et ses partenaires. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône Tourisme et l'association Marseille-Provence 2013. C'est vrai que ce concours il s'inscrit complètement dans le mouvement mondial, on va dire, d'ouverture des données publiques et d'abord aussi répondre à l'objectif de la plus large diffusion possible de notre programmation. La sélection a été difficile, je peux vous dire que ça très longuement discuté, tous les dossiers étaient vraiment très bien. Et nous ne nous sommes pas disputés, mais nous avons discuté assez dur et le choix a été fait. Deux entreprises ont finalement été récompensées. Le prix coup de cœur a été remis à la société Urbanoid pour son application Vue par vous, qui offrira aux touristes la possibilité de visiter la ville autrement en découvrant des lieux insolites par le biais de photographies partagées ou notées. La raison pour laquelle nous avons participé aux Open Data Awards, c'est de pouvoir nous donner le cadre pour expérimenter des nouveaux usages, donc à travers notre application, et de pouvoir un peu structurer notre projet autour de Marseille-Provence 2013, l'Open Data, etc. Le prix de l'innovation, lui, a récompensé la société Open Motion pour son application Replay, qui permet aux visiteurs de créer un parcours de visite, puis de le partager. Ce trophée nous permet d'avoir une belle visibilité et ça met aussi en avant notre savoir-faire et différents projets auxquels on a déjà participé dans le passé. Et donc en gros, c'est une valorisation de tous les petits projets ou plus ou moins gros projets qu'on a réalisés à ce jour. Et c'était une opportunité pour nous de valoriser ces projets avec une visibilité assez intéressante pour nous et pour la société.